Extra, extra. Hi guys, salut les gars. Ça y est, il est temps de faire le premier vol du Flyfans Gripen 70 mm avec à l'intérieur une douce pale avec un moteur Inrunner. Petit orage. Un moteur Inrunner de 1900 kV. Il pèse 2,5 kg, on est centré à 100 mm, le bouquin dit 90, mais je me suis mis un centimètre derrière dès le début, moi. Et puis pour les débattements, et ben les grands débattements sont ceux du bouquin. Et du coup, moi j'ai réglé des moyens et des petits, parce que j'aime bien voler avec des petits débattements. Mais tout est dans la description, donc regardez là dans la description, il y aura toutes les infos. Et à l'intérieur, j'ai donc une CNHL 4000. 70C qui pèse 690 grammes, qui est placé comme ceci. So guys, as you can see on the brand new Flyfans Gripen 70mm EDF, 12 blades, the 1900 kV Inrunner, the CNHL 4070C is placed like that to have a CG of 100mm. This is 10mm behind the book. CG. And for the rates, my high rates are the book's rates. That's the book's rates. And I've got medium and low rates, as always, because I like small rates. Whereas my friends Alejandro and John like the huge rates, I don't fly like them. So I've just turned the Gripen on the other side, and so we will take off. I will take off with my maybe with the high rates, the rates from the book. Je vais décoller avec les débattements du bouquin, on verra bien. J'ai pas de gyro pour l'instant, il est désactivé, et c'est parti. T'es prêt, Robert? Je suis prêt. Eh ben allons-y. Allez, go. Ok, donc il y a beaucoup trop de débattements pour moi avec ceux du bouquin. Je suis passé tout de suite en medium rate. I switched immediately on medium rate. I need some hub trimming. Yes. A bit more. Ouais, bah t'inquiète. Hein. Je suis là, tu me vois là. My low rates are really low, but... Bon, il est déjà trimé. Already trimmed. Superbe. Gyro is on. J'ai mis le gyro en route. Je vais rester avec les moyens d'ébattement. I keep my mid rates. Extra. Extra. Tu filmes le sol et on le verra. Non, non, même avec le sol. Il y a le soleil qui tape dans l'écran. Je suis sur la piste, là. Oui, là, je le vois. Là, je vois plus. Et je tourne à droite. Je reste en basse, hein. Je reste très bas. Alors, voyons voir. Waouh, ça marche bien les High Alpha. Attends, je reviens, je vais refaire un passage. Now I'm at full up elevator with my mid rate. Really nice, full throttle. Waouh, si c'est cool. Je suis là. À gauche. Bon, allez, je vais me poser. Gear down. Yes.
trop cool. Bon, évidemment, ça touche toujours l'arrière parce que le Gripen a le train qui est placé comme il faut. Voilà, là on voit. Donc, on a 2 minutes 30, bon, de toute façon 2 minutes 30 de vol avec 2 minutes 30 de moteur. Donc c'était un tout petit vol parce que les conditions de soleil sont pas bonnes pour filmer. Et donc ça nous fait, faut rajouter 3, donc on est quasiment à 89, donc ça fait 3,92. 3.82 volts for 2 minutes and a half, so that's really really cool. And I already love this jet. Il est vraiment top, il est vraiment top. On dirait le Mirage 2000 de Freewing, mais un petit peu moins motorisé. It looks a bit like the Mirage 2000 from Freewing, but a bit with less throttle, and it's more scale. C'est un peu plus maquette du coup ce vol-là, mais il est vraiment top, il est vraiment top. Et le centrage à 100 mm, il m'a l'air bien. De toute façon, je peux pas reculer beaucoup la lipo. The CG at 100 mm looks really nice. One centimeter behind the books and the mid rates. Check the description, guys. As always, everything will be in the description. Donc ouais, regardez bien la description, les gars. Et puis comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous avez liké et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous pourrez suivre toutes mes prochaines aventures. So guys, don't forget to put a thumbs up if you liked it and be sure to subscribe to the channel, guys. Thank you so much and see you soon. Bye bye.